Dis donc, mon brave, votre cadran solaire, il a perdu son gnomon. Monseigneur, son gnomon quoi? Son gnomon. C'est la tige qui projette l'ombre. Habituellement, quand je passe ici, je jette un coup d'œil et j'ai l'heure. Richelieu dans les rues de Luçon. Il fallait bien les journées européennes du patrimoine pour revivre cette scène. Et en effet, parmi toutes les visites programmées tout au long du week-end, celle organisée par les membres de l'association du quartier de Bourgneuf a beaucoup plu. Le principe en était simple, à travers des personnages venus tout droit du passé, raconter quelques faits historiques marquants de ce vieux quartier luçonnais. L'idée, c'est que c'était d'avoir trois... Il y avait trois propriétaires qui étaient volontaires, donc c'était d'avoir trois sujets qui se rapportent à des époques différentes. Bon, celle des Villaume avec la glacière, c'était évident, mais Maison des Chanoines, essayer de mettre en scène, mais ça c'est M. Villaume qui a eu l'idée avec sa femme, de mettre en scène Richelieu avec la glacière. Bon, Madame Fauché, Madeleine Fauché avec sa maison rue Alexis Vincenot, c'est bien sûr les Roretais de Marmande. Et puis nous ici, on a eu l'idée... Comme cette façade de maison, nous la trouvons intéressante. On sait que c'est du 19e, fin du 19e, mais on voulait mettre en œuvre, en valeur, la décoration que l'architecte, dont on ne connaît pas le nom, on voulait mettre en valeur la décoration qu'il a donnée. Les textes ont été écrits par les propriétaires eux-mêmes qui ont dû ensuite se mettre en scène avec l'aide de l'association Les Compagnons du Théâtre. Car ces scénettes ont nécessité, mine de rien, beaucoup de travail et de répétition. Trouver des acteurs d'abord. Bon, on a d'abord cherché au sein de l'association du Bourgneuf. Bon, il y a eu toute la famille Fauché s'est portée candidate. Et puis ici, les deux propriétaires ont dit « Ok, on y va ». Et l'association, on s'est rapproché de l'association des Compagnons du Théâtre, d'une part pour la mise en scène, c'est-à-dire nous aider, nous conseiller pour la mise en scène des différentes scénettes, et surtout de nous trouver des acteurs, et puis derrière les costumes, parce que les costumes, bon, même si on peut simuler, retrouver dans nos vestiaires des vêtements du 19e, c'est plus difficile de trouver des vêtements révolution ou de l'époque de Richelieu. Le public, on l'a dit, a beaucoup apprécié cette nouveauté des Journées du patrimoine. L'initiative pourrait-elle d'ailleurs être renouvelée? Oui, cette idée a été trouvée il y a à peine 6 mois. On ne savait pas ce qu'on ferait cette année pour les Journées du patrimoine. Alors, on verra l'année prochaine. Pourquoi pas le refaire d'ailleurs en dehors des Journées du patrimoine, sous une forme à déterminer, soit dans une salle couverte, parce qu'évidemment avec l'hiver ce ne sera pas facile, soit sur les lieux, les mêmes lieux, c'est à voir. Nous sommes ouverts à toute proposition. Sur les 2 jours, ce sont près de 200 personnes qui ont participé à ces visites théâtralisées du quartier de Bourgneuf.